Salut les amis, aujourd'hui on va se faire une petite rando organisée, enfin une avec toutes celles qui ont été annulées. On va se faire la Saint-Langiron-Gironde et c'est à Saint-Léger-les-Ménez dans les Alpes. Allez, à tout de suite en vidéo. Allez, on rejoint la rando tranquillou en vélo. C'est pas loin, il y a 5 bornes. Donc on va prendre la voiture pour ça et puis on profite dès 7h du matin, toujours d'un panorama de folie. Petit stand du sponsor de la rando, le magasin Espace Porte. Alors il se situe à Saint-Bonnet, un beau petit atelier. Là-bas, si vous avez des problèmes sur votre bike, vous avez envie de louer des bikes électriques ou même faire des randos, le magasin Espace Porte à Saint-Bonnet. Allez, c'est parti donc pour 30 km, 1000 mètres de dénivelé sur la rando de la Saint-Langiron-Gironde. Alors on va se remonter jusqu'au plateau de Libouze et après on va partir sur Ancelle et la Croix-Saint-Philippe. Allez, ça démarre fort, gros coup de cul. Mais bon, pas possible sur le vélo. Allez, ça va, encore par une bonne remontée. Il n'y a pas d'échauffement. Ça part de suite dans le vif du sujet. Allez, enfin arrivé au plateau de Libouze et son petit lac artificiel. Et maintenant, on va partir pour un gros coup de pétard qui va nous ramener sur un. Et on y est, c'est parti pour un gros coup de pétard. C'est bon? Voilà. Allez, ça te fait d'allouer tranquille. Pour voir tout ça. Allez, c'est pas beau un petit single comme ça. Allez les amis. J'aime pas quand c'est froid comme ça à flanc de coteau. Ça m'impressionne toujours. C'est pas là où vous me verrez lâcher les watts à gogo. Les appréhensions comme ça, parce que même je pars sur le côté, je veux dire que c'est pas super haut, mais c'est comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des appréhensions, vous aussi vous n'arrivez pas à vous séparer comme ça. Ouais, là ça va, bon jeu. Allez, ça repédale un petit peu juste avant de se rechoper la deuxième portion de descente. Allez, on va essayer de se refaire un petit peu la banane sur le petit morceau de plat là, avant de se taper la redoutable montée vers le col de Moissière. Bien ce que je redoutais, les sorties les 2-3 jours antérieurs, là, je commence à les avoir dans les pattes là. Compliqué. Mais bon, on va se la faire tranquillement.
On est dans la montée vers le col de Moissière. C'est parti pour 300-400 mètres de dénivelé, je sais plus. De toute façon, quand on aime, on compte pas. Et on continue l'ascension. On est presque en haut. J'ai l'impression que toutes les montées, c'est les murs. Oh, j'ai plus rien dans les cuisses. Allez, on est arrivé en haut. Aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié, on va laisser un petit peu de nous. Un petit peu de nous tous, parce que vous êtes descendus de la chaîne sur le col de Moissière. Allez, ça redescend nous un peu. On est du côté de la Croix Saint-Philippe. Bonjour, merci. Les deux partout. Allez, ça remonte un petit peu. Une belle petite montée. Mais courte. Tant pis. Bonjour. Merci. On a quand même la chance d'évoluer dans des panoramas de fou. Elle est plus heureuse, elles sont là. Je me coucherai bien au milieu moi aussi avec elle. Allez, vous allez voir ça, là il y a un petit passage en sous-bois en descente magnifique avec un petit peu de caillasse. Un peu comme moi, bien sympa. Pas super long, avec les pluies en plus c'est trempé. Maintenant, c'est avec des petites racines en travers. Jump! Oh! Ouh, le virage! J'adore ce petit morceau. Il est vraiment bien sympa. Allez, là, ça va remonter un petit peu. Et voilà, plusieurs effets. Là ça va être tranquillement un petit faux plat montant, une bonne grosse côte, ravito, et on redescend encore après. Ça monte un petit peu, on va arriver au ravito qui est là. Voilà, un joli ravito avec les produits du pays. Ouais, mais pas très fourni cette année, mais bon. Ah, on fait comme on peut, les situations. Ravitaillement passé, petit tronçon de route pour récupérer la petite piste sur le côté. Fait du bien l'estomac. Maintenant on va redescendre un petit peu. Oh, c'est bien sympa, il y a du clos. Les petits crocs. Oh putain, c'est la merde ces petits trous là. Ces ornières d'eau là.
Capitaine, souple et détendu. Oh, ce petit morceau de descente là, papa, on a bien lâché. Allez, c'est parti pour la suite. Allez, ils sont là, les fat bikes. Magnifique. On est bien à l'ombre, bien enclapé. C'est pas chaud. Topissime. On longe tranquillement le canal. C'est devenu un peu plus plat. Il doit peut-être rester un petit coup de pétard pour remonter sur Saint-Léger, je sais pas. Mais on doit plus être très très loin du but. Loin, ça c'est que le départ, après ça va se calmer un peu et puis après ça va remonter encore pire que ça sur un petit bout. Allez, gros plat comme ça, c'est tu vis. Salut, c'est pas beau de me filmer pendant que je suis cuit. Comment ça? Oh putain, mon salaud. C'est un faux plat, on a dit. Un faux plat, ouais. Et il y en a un, il a dû me voler mes vitesses en bas. Allez. Les derniers coups de pédale. Et on est bon. Qu'est-ce que ça avait pensé, ce rando? Ouais. Bien le. Bah, super. Bon, allez, on va aller quand même se faire un petit ravito de pain, hein, à mériter. Hein. Merci pour cette belle rando en tout cas. Ben merci à vous d'être venu, d'avoir participé. Voilà, ben, rando fini. Une belle rando avec des bien bonnes montées, des super points de vue comme d'habitude sur toute la vallée, des belles descentes, un bon fléchage, une bonne organisation. C'était vraiment top, on s'est pas perdu. Un grand merci aux organisateurs d'avoir pu maintenir cette rando malgré les restrictions qui peut y avoir à cause du Covid. En tout cas, on s'est régalé. Un grand merci à vous. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, à plus pour une prochaine vidéo.